Coucou les filles, ben aujourd'hui vous ne verrez pas ma tête non plus, vous verrez que mes petites pupilles. Je vais vous montrer en fait comment on pose des micro-loupes. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo dans laquelle je vous montre l'entretien des micro-loupes. Donc en fait c'est des extensions à froid avec micro-anneaux qui se présentent comme ceci. Donc vous avez un petit anneau en plastique avec une petite goupille ainsi que la mèche. Vous venez passer en fait la mèche dans votre anneau. L'anneau est là. La mèche dans l'anneau. Comme ceci. Vous venez tirer la petite goupille, ce qui fait que la mèche va passer comme ça dans l'anneau. Hop! Et ensuite, avec une pince, on vient rapprocher du cuir chevelu à peu près 1 cm et on vient écraser la bille sur le cuir chevelu. Enfin, sur le cuir chevelu, qu'est-ce que je raconte? Sur le cheveu, quoi. Et ensuite, on tire un petit peu, hein, puis on lui arrache la tige. Pour bien vérifier que l'anneau est bien placé. Donc, en fait, vous faites des rangées du bas vers le haut. Et ensuite, vous placez. À chaque fois à peu près égale distance les anneaux les uns des autres. Bon, faut voir que là c'est des mèches de 1 gramme parce que moi j'avais des 0,5 et ils étaient vraiment trop fins, donc au niveau de l'épaisseur ça rendait rien, et à la fin je les ai retirés tellement je trouvais que ça faisait vraiment trop 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 fin. Donc là vous voyez que je vais dézoomer. Alors, moi je peux pas. Bon, bref, on voit déjà qu'il y a quand même une bonne épaisseur. Et au niveau de la longueur, bah, je vous ferai des photos pour vous montrer. Voilà, à bisous, à ciao!